Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Mission Aventure. Donc toujours prêt qui vous présente le tout nouveau jeu RPG 1015BX. Est-ce que j'ai annoncé dans les communautés les héros du passé 3, l'aventure des nouveaux? Désolé mes amis, la semaine dernière si j'ai pas pu enregistrer, mais vous avez dû le voir dans les commentaires, c'est parce que j'ai manqué de temps. Voilà. Bon, il y a des imprévus et du coup, bah parfois, quand on enregistre tard, bah, YouTube les met le jour du lendemain et ça c'est pas possible. S'il faut que les enregistrements soient faits en temps et en heure. Bref, c'est parti les amis. Mais pour la nouvelle aventure, n'oubliez pas bien sûr de regarder la petite fiche en haut à droite de la vidéo pour la consulter l'aventure précédente. On est visiblement pour commencer le jeu, ben, il n'y a pas d'introduction, on est à l'intérieur d'une chambre. Tout cela n'aurait jamais dû arriver, grand frère. On n'a même pas réussi à protéger nos parents. Oh, c'est Goluk. Le petit gars. Le garçon qui est de Go et Louise. Oh, il a la même forme que son père, c'est dingue. Et là, je suppose que c'est sa petite sœur parce qu'il n'osa pas. Et qu'apparemment que Louise allait avoir une petite fille. En plus, elle a dit grand frère, donc voilà. Et elle s'appelle Lisa. Que vont devenir nos parents? Et aussi notre succession va devenir à notre tour les nouveaux héros du passé. Oh! Alors ça y est, ils doivent pas... C'est la main? Papa... Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver en fait à Louise et Hugo? Oh maman, pourquoi tu es... Wow, on commence déjà les amis, il y a déjà des problèmes. Cette histoire démarre il y a 2 ans, juste après qu'une fille du nom de Natura regagnait son vrai monde qui est le nôtre. 8 mois plus tard, moi et ma sœur Lisa, nous avons été convoqués au temple sacré pour notre succession, afin de devenir les héros du passé. Après, le groupe d'Eric et de nos parents qui étaient aussi avec eux. Mais au moment de la succession, les gens normaux ont débarqué et ont attaqué les héros du passé. Par chance, Yuma et Franck ont été les seuls épargnés de l'attaque et ont pu transporter nos parents et Rick et les autres à leur hôpital. Mais le jour suivant, les gens autour de nous ont accusés d'être à l'origine de cette attaque et ils ont arrêté tout notre futur groupe. Wow, carrément! Tous ceux qui devaient être avec eux, Goluk et Lisa, comme ça? Chut! Mais pourquoi des gens normal, on les a attaqués? C'est pas logique! Sauf moi et Lisa, car on était pour eux des victimes. Ah, mais vous êtes tous des victimes. Ça n'a pas de sens. Oh. Parti pour une première saga. Bon, qu'est-ce qu'on peut savoir sur les menus et tout ça? Je suppose que ça ne change rien, non. Les compétences de Hugo Luc. Tac, contre-attaque. Séisme, vent. Malgré qu'il est un soldat. Ah, je vois. Il a la même casque que Hugo. Alors... Le fils de Hugo et Louise, il a commencé son âge accessoire pour succéder à leurs parents. Ah, il a fait quoi? Il a fait un voyage, je vois. On a la chimie comme d'hab. Les musiques. Pour l'instant, le système de quête n'est pas encore disponible. L'encyclopédie, la sauvegarde et quitter le jeu. Voilà. Désolé Hugo, mais tu ne peux pas passer par cet endroit, c'est interdit pour le moment. Ouais, d'accord, je ne passerai pas. Les autres chambres là-bas sont fermées. Ouais, je ne les ai pas créées parce que sinon ça allait faire trop de maps.
Je n'arrive pas à croire que l'on a accusé votre couple de criminel. C'est n'importe quoi. Bah qu'est-ce que tu veux? Qui d'autre ils auraient pu accuser? Oh, bonjour Yulik. Désolé, mais je n'ai pas le droit de discuter avec toi après tout ce qui s'est passé. Eh ben, Natura, tu as dans mon champ. J'ai depuis la dernière fois. Je me sens minable et responsable de cet accident. Pourquoi j'ai l'impression que c'est sa faute? Arrête de penser dans tes pensées, oh. Tu crois que c'est sa faute? Elle a pas fait exprès. S'il te plaît, Yulik, laisse-moi seule. Déjà, elle déprime la pauvre. Est-ce qu'on peut descendre davantage? Non, je n'ai pas très envie de descendre vers l'accueil pour l'instant. Reste un moment ici, tu veux bien? D'accord, ok. On va visiter les bureaux. Il y en a sûrement quelques-uns qui sont ouverts. Ah, bureau de Basile. Son apparence n'a pas trop changé, mais il a changé de vêtements. Oh, Hugo, tu prends l'air, c'est ça? Ouais, vu que mes parents dans cet état, le groupe des rues du passé arrêté pour attaque, c'est beaucoup. J'imagine, oui. N'en fais pas trop, d'accord? Je vais essayer. Merci, Basile. Comment ça que tu veux pas qu'il l'en fasse trop? Je te promets que tes parents seront bientôt sur pied, Goulou. Et je peux enfin sauver le nouveau groupe de la nouvelle génération plus vite aussi. Quelle motivation, Basile. Merci. C'est vrai qu'on n'est que deux pour l'instant. Lisa et Hugolik sont les seuls à rester. Le bureau du Franck, ça. Oh, Franck n'a pas changé. Ah si, il ne porte plus ses lunettes. Incroyable. Il est plus beau comme ça, je trouve. Hugolik, bienvenue. Beaucoup d'événements sont arrivés en à peine quelques mois. Mais pourquoi Hugo, Eric et les autres ont été pris pour cible et votre a été arrêté? Ça on n'en sait rien. On ne sait pas d'où vient l'origine de l'attaque, même si à part juste ce sont juste des gens normaux qui ont attaqué comme ça sans rien dire. Trop bizarre. Et voilà le bureau de Yuma. Oh, Yuma a teint ses cheveux en rouge. Wow, tu as une mauvaise mine, dis-moi. Tout va bien, Hugolik? Non, Yuma, tout va mal. Mes parents, la succession, le nouveau groupe, rien ne va plus. Bon sang, je suis censée faire quoi, moi, seule avec ma sœur? Oh, il est désespéré. Je le comprends. Hein? Suis-moi, je vais te conduire à un endroit génial qui va t'indiquer la voie à suivre. Oh, ok. Il y a quelqu'un qui va indiquer la voie à suivre? Tout ceci est très intéressant. Prends ces escaliers. Il est au fond de cet endroit trois cas pour te guider. Le cas pour me guider. Ouais, je me demande de qui il parle au juste. Vous avez dû remarquer ce système en haut à gauche? C'est le système de pensée. Il est vraiment efficace, les amis. C'est pour ça que je l'ai ajouté dans ce jeu. Au départ, il avait eu quelques petits problèmes. Lorsque j'avais fait la première version du passé, mais en fait j'ai découvert le problème. Apparemment, faut pas que j'ajoute 2 0 dans le script pour que ça fonctionne. Salut, le fils de Hugo et Louise vient me rendre visite. Incroyable, la statue en or parle. Oh, mais je suis loin d'être une simple statue en or. Je suis la statue de succession, celle qui transmet les pouvoirs du passé à ses futurs héritiers le moment venu. Oh, je vois. Pardonnez-moi, mais je sais de la part de Yuma. Il m'a dit qu'on pourrait m'imiter sur ce que je te dois faire maintenant. Ah, sacré Yuma, toujours aussi de bon conseil. Bien, mon conseil est mon grand. Je pense que tu peux le savoir, n'est-ce pas? Les héros du passé sont mal en point, et il faut trouver le responsable de cette attaque qui a rendu des gens normaux aussi rageux que des animaux morts de contrôle. Ouais, c'est vrai que c'est logique qu'il y aurait un responsable. Tu vas devoir aussi libérer tes amis de chaque prison. Sans eux, impossible de résoudre cette attaque mystérieuse. Attendez, je suis également nouveau des héros du passé de la classe des soldats. Et mes nouveaux pouvoirs dans tout ça. Patience, jeune homme. Tu recevras tes pouvoirs en temps voulu. Sur ce, je te souhaite bonne chance dans ta quête. Et prudence absolue. Bien sûr, prudence absolue, évidemment. Oui, je ne vous décevrai pas. Ainsi, Hugo reçoit sa nouvelle mission de la part de la statue de la succession et elle a prévenu sa sœur de son grand départ avec elle dans une nouvelle aventure.
le lendemain. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer, les amis. Voilà, nous sommes prêts pour ce grand voyage pour ceux de votre groupe, notre groupe est trouvé qui a causé cette trajectoire à ces gens normaux. Prenez soin de nos parents, rien des autres héros du passé, Yuma. Pas de soucis, je suis médecin, ça devrait bien se passer durant votre absence. Natura, prends soin de nos futurs héros du passé, d'accord? Oh, elle vient avec nous, d'accord. Sans problème, Yuma, compte sur moi pour les protéger. Le roi Kadon aurait du mal. Faut être prévoyant, c'est jamais. Allez, en route, notre premier initiation, c'est la prison de la ville de City. On repart à City? Comme d'habitude. Ouais, l'aventure commence. Bon, on va juste jeter un petit coup d'œil autour des trucs. Ensuite, je vais stopper là et après, je fais une pause et on enregistre deuxième. Ah oui, vu qu'on n'a pas enregistré la semaine dernière. Soyez vigilants durant notre voyage, d'accord? Le danger peut venir de partout. Oui, on sait. Oui, vous voulez un conseil? T'as un conseil à me donner, je suis preneuse. Quand vous quittez la ville ou les vies, là je me pénétrerai dans le domaine des combats. Des monstres surgiront après un certain nombre de pas que vous aurez effectués. Alors préparez-vous à toute éventualité. Ça, je suis au courant. On n'a pas autre chose comme conseil? Se garder assez votre pas. On ne sait jamais, la prudence est de mise. Ouais, mais je sais aussi. Achetez des objets et des armes amies à chaque fois que vous voyez des boutiques, sinon des monstres forts vous mettront facilement KO. Ouais, faut être prévoyant pour les objets. Si vous voyez des coffres qui peuvent vous aider, prenez contenu. Mais faites gaffe, certains sont sûrement des pièges. Ça c'est sûr, certains sont sûrement des pièges. Oh, il y a un coffre. Oh, c'est de l'or. Sans l'or retenu. Qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est quoi ce truc? Oh, ça c'est une tour à puits. Elle fait plein de trucs sur l'envoi, il ne faut pas passer notre chemin. C'est notre nature, gardons le yoga. Bien. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Oh, on peut soigner l'équipe qui est intéressante. Non, ramener un équipier à la vie. Oh, bravo, ok. Intéressant. Je suppose que ce système-là, ça ne servira si on ne trouve pas d'auberge. Bonjour, si vous partez en voyage, prenez mes objets. Ils sont bons. Tu as bon prix, vous verrez. Oui, parce que grâce au système dans le truc, vous êtes capable de réduire les prix, en fait. Alors, n'hésitez pas à vous en servir. C'est ce que j'ai fait. Normalement, tous ces chiffres que vous voyez, c'est pas le chiffre de base des objets. Alors, malheureusement, comme nous sommes que pas beaucoup de gens, je vais économiser. On va essayer de regarder le maximum. Et voilà. Pour l'instant, on fait comme ça. Bon courage pour la suite, cher voyageur. Ouais, merci beaucoup. Continuons à avancer, les amis. Ensuite, je vous montre les stratégies de Lisa et Natura. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je rends la balle ma salie parce que j'ai du mal. Alors, les stratus de Lisa. Fille de Hugo et Louise, elle est partie en voyage avec Hugo pour succéder à leurs parents. Elle est une prêtresse. Oh, son attaque est vraiment faible. Hein. Alors, balayette, souplesse, soin, éclair et explosion. Intéressant. Natura, comme d'habitude, vient de la moine, mais moine. Vient de la dimension de Mitran, mais s'en va chez soi et le... de présent. Yuma et Froid compris sans d'elle. Oh, elle a pas beaucoup de trucs spéciaux ni de magie. Sa magie et sa défense magique sont très faibles. Ok, on part quand même avec une équipe assez faible, mais j'espère que nous progresserons assez vite. D'ailleurs, j'ai pas jeté un coup d'œil aux équipements de Hugo. Au Luc. Ok. Ouais. Ouais, ça reste vraiment du pur classique. Pas étonnant que nos stats sont très bonnes comme ça. Bon, enfin bref, les amis, je vais sauvegarder mon cagot, je retrouverai la playlist. Alors, vous retrouvez plus là-dessus. Bon, tout de suite, juste après. Allez, à tout de suite, les amis.